Donc bon, là je sais pas si ça veut dire un truc vraiment en français, c'est la ultima baisse, j'avais envie de la sortir. C'est un vrai truc ça? Je dois demander à JP. JP ultima baisse, ça veut dire quoi? La dernière fois. Ah ouais, c'est pas mal. Bon, c'est la dernière. Bon, c'est peut-être pas la dernière fois, mais là, j'espère que c'est la ultima des fois où. Waouh. Il y a la lumière, elle a sauté là, non? Ah oui, il y a une coupure, micro-coupure. Il n'y a pas moins de lumière là? La bagarre. Ah ouais, mais là, c'est Zeus qui descend carrément sur Terre, c'est pas peu. Pour laver le péché de. Ça rapporte de l'argent l'humour aujourd'hui? Alors, si vous posez cette question-là à Bobby. La vie artistique, mais j'avais pas me plaindre. J'avais pas me plaindre. J'ai fait les efforts pour, les sacrifices pour. Et je n'estime même pas être arrivé à un palier ou un stade qui me convient, tu vois. Je pense que comme il y a un besoin, ça peut apporter de l'argent, mais il faudrait pas le faire pour de l'argent. Si vous faites de l'humour, faites-le parce que vous-même vous aimez rire, vous-même vous aimez faire rire les gens. Nous revoilà les fragiles pour ce nouvel exercice à Grande Porco Grosso. Cette fois-ci, nous allons faire du catching food. Un exercice qui allie rapidité et précision. Un exercice qui va surtout vous aider pour les mariages et les baptêmes. C'est parti! Rappelez-vous, c'est le bassin qui travaille. On doit attraper les aliments, le coude aligné avec le cou. Il y a un besoin, avec tout ce qui se passe. On a besoin de faire rire les gens. Tu en as besoin de rien. Ce qu'on fait, oui, est d'utilité publique. Hein. Ah oui, c'est. Je pense qu'on devrait être comme les pompiers et les policiers. Hein. Donc il faut aider les gens à décompresser, à rigoler, en attendant d'y jouer. Si les gens prennent du plaisir, ça me procure du plaisir en fait. Et pour moi, ça, tout le monde devrait être un peu comme ça. C'est comme lorsque tu as une relation intime. Normalement, tu dois prendre du plaisir à voir la personne prendre du plaisir. Donc forcément, tu vas lui faire plaisir. Parce que c'est ça qui procure du plaisir. Parce que le positif attire le positif. Tu vas faire du bien, tôt ou tard, l'univers va te rendre ce bien-là, tu vois. Dans les épisodes précédents, la victime a été tuée avec des baguettes chinoises. Le criminel a pris soin de laisser un M sous le torse de la victime post-mortem. Tu vas tous commencer sur un hémicide sur le noir. Suivez la trace du NEM. Suivez la trace du NEM. Je n'ai jamais vu un NEM dans cet état. Oh, ouais. J'ai goûté le NEM, fallait que je sache si c'était pour les crevettes. Le NEM est en pas chaud. Vous voyez ça ici? C'est une brûlure caractéristique. Il s'agit d'une friteuse capable de chauffer de 0 à 900 degrés en 2 minutes. Cette friteuse, c'est la Walpix 97-232. Il n'y a qu'un seul endroit en ville où on peut la trouver. Bienvenue, comment ça, man? Je vais te triper les testicules à la fourchette! Non! Où est la Walpix 97-232? Dis-moi, où est la Walpix? Regarde! Elle est là! Si! Miaou! Regardez, comment? Le cotonnet? Je t'avais dit que je viendrais me venger. Lâche-le, cabron. Oh, de gras. Qui est ce bandit, clou? C'est une longue histoire. Moi et le cotonnet, nous avons un lot passif. Tiens, quand j'étais jeune, petit garçon. Voilà. Cognon.
maman le prier un jour. La folie moderne est un bon légume, il a brisé mon enfance. Côte de gras, comment est-ce possible? Dis-moi que tout ça n'est pas vrai. J'ai des gènes. Un mot stupide. Mais c'est même. Et c'est délicieux. Et je dirais même qu'on ne fait pas de samosa sans casser les œufs. Ah, il n'y a pas de doute de la samosa. Que je t'arrête, Fadeco! Coincé, cabron! Allez, debout! Votre coup de fourchette va tout de suite s'améliorer. Quand tu sais sur le némicide. Il s'est fait mal. En mi cama, después de esta noche te olvides, y si quieres otro día, cualquier hora me llamas. Yo sabía.